Avec des couteaux, je travaille avec surtout les du henné, de la récupération, du sable, tout ce qui m'entoure, tout ce qui peut m'inspirer. Il y a quelques années, je n'aimais pas du tout le métal. Vraiment, je n'aimais pas l'odeur, je n'aimais pas le froid, la froideur du métal. Et puis, avec l'argile, avec la terre, j'ai eu tellement de... On est prêt à l'accident. On entoure l'accident, on en fait partie de notre façon de créer. C'est comme dans la vie, on sait qu'on va mourir, donc ça fait partie du jeu. Mais c'est vrai que par moments, on a envie de croire qu'on est éternel, et on a envie d'aller au-delà de l'accident, donc là, je suis allée vers le bronze. À un moment donné, je me suis dit qu'il y a trop de couleurs très faciles dans les boutiques. Donc, je me dis il faut que je prépare mes propres couleurs pour donner l'originalité de mes toiles. C'est par rapport aussi à mon origine, à la terre africaine, un peu poussiéreuse, parfois colorée, avec des pigments naturels. À chaque vacances, je vais au Burkina Faso, au Togo, au Niger. Et nous, dans les gros villages, on fait les badigeonnements avec de la terre, parce que c'est bien coloré, il y a de la terre de couleur noire, il y a de la terre de couleur rouge, ocre, différentes sortes de couleurs. Donc avec ça, moi je remplis mes valises avec les terres d'Afrique. Et donc arrivé ici, j'ai vraiment des ingrédients pour préparer mes toiles. Disons qu'on rentre ici, on sent quelque chose. Donc pour moi, c'est une raison pour être là. Il y a une spiritualité, il y a un volume. Ce volume, vraiment, ça me faisait peur. Et maintenant, je trouve qu'il y a rien. Ça va très bien avec l'art, parce qu'il y a une énergie qui fond avec ce qu'on ne peut pas voir, on ne peut pas toucher. Et les sculptures, ça va ensemble. Peindre pour moi, c'est comme une thérapie. Parfois, ça m'adoucit, ça me donne de bonne humeur, quoi. Donc, je ne peux pas m'empêcher de travailler. Je travaille tous les jours. Donc, pour moi, c'est bénéfique. C'est que du bonheur. Une toile réussie pour moi, c'est quand ça sonne dans mon cœur. C'est comme un coup de cœur, un coup de foudre, quoi. Une fois que ça ne sonne pas, donc c'est pas fini. Je peux la retravailler à chaque fois, mais ça sonne comme, je sais pas comment l'expliquer, c'est comme là, c'est de l'amour, quoi. Ce côté humain, je le travaille également dans le bronze, quoique le bronze est quand même un matériel éternel. Mais ce côté angoissant de l'éphémère, il est là.
et c'est ce qui prévaut dans ma sculpture. Parce que même quand je cuis, même quand je fais des bronzes, j'essaie toujours de montrer la fragilité de cette peau, de cette coquille qui nous abrite. Et donc même au travers du métal ou au travers de mes céramiques, on voit qu'elle est cassée, on voit qu'il y a une solidité qui est interne. Donc je veux que la peau ne soit qu'une façade. Dans toutes mes sculptures, il y a toujours comme une façade qui cache autre chose. Pour être franc, je n'arrivais pas à dire un mot, j'étais un gros bec au départ. Et donc pour moi, c'est me défouler, c'est arriver à m'exprimer, à parler comme les autres. Et au fil des ans et tout, donc je me suis dit pourquoi pas. En fait, ce qui me plaît, c'est que les gens disent « Ah, c'est différent de ce qu'on voit ». Et ça montre vraiment la diversité et l'originalité, quoi. Donc, je suis très fier quand on me dit « Oui, c'est différent de ce qu'on voit ». Parce qu'on ne peut pas vraiment se ressembler dans les pratiques. Thank you.